Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, je te voyais un petit peu chancelant avec la souris. Non, pas du tout, Ah mais du pas du tout, c'est pas tout. parce que le rec se coupe tout seul, des fois, évidemment, sans que nous le voulions. Alors aujourd'hui, la decklist tant attendue, c'est pas vrai, vous ne l'attendiez pas, mais pour la J'en avais science, peut-être même marre. il faut qu'on vous montre ça quand Mais même, là, c'est il y a des petits important. tricks. Ouais, il y a des Et trucs sympas. voilà, c'est un des anciens decks. On l'a pas encore fait sur la chaîne, je crois. Un petit peu On avec le n'avait raid même pas fait, control. en vrai, la dernière version de Mengucci au MC7. Ouais. On ne l'avait pas présenté pour vous dispenser de Nyxacrasis. On sait que vous n'avez pas. On Et sait. on On ne le dit pas sait. forcément, mais on sait, genre, justement, les trucs que vous aimez, que vous aimez pas. Entre guillemets, voir, et surtout ça, vous en pouviez plus de Nyxacrasis, de Simic, et du coup, toutes les decklists qui comprenaient On Nyxacrasis en vous fin en de a méta, épargné longtemps. on les a pas faites, alors qu'il y avait peut-être des trucs à dire et Bah, il y tout. avait le Simicramp On de les a Mengucci. notamment, voilà, donc on les a épargnés parce qu'on sait que vous en pouvez plus. Là, on a retardé cette decklist qu'on aurait pu faire très vite, on l'a retardé un maximum pour que vous ayez plein de nouveaux decks, mais là, il faut quand même en Il faut en parler. parler, Et voilà. parmi toutes les decklists possibles, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la plus fun parce que celle avec donc les deux summums de verre et le cochon. Le cochon, Le cochon, ça va tout droit là. ça va tout droit, c'est très très fort. Mais ça, c'est un peu plus drôle. J'ai un peu joué à la decklist et c'était très sympa à jouer. Donc, on va vous présenter ça, vous parler des interactions, vous parler. Vous Et parlez. du coup, ce que je disais qu'on n'a pas encore fait avec Theros, c'est-à-dire vous présenter un ancien deck de la méta précédente avec des nouvelles cartes pour vous montrer ce que ça donne. Et bien là, du coup, on va le faire aujourd'hui, pas plus tard que maintenant. Et je vois que ce petit 10, qu'est-ce qu'il fait là, le petit Il 10 là? dépasse un petit peu le bichon. Bon, Voilà. c'est pas Ah bah ça grave. aussi ça. Et voilà. Voilà. Du coup, ouais, cette version de Simicramp où on a essayé d'intégrer un maximum de cartes Terros, en tout cas la synergie élémentaire Etassa et Uro, qui sont les nouvelles cartes de Terros, pour un petit peu égayer ce triste Simicramp quelque part. Mais du coup, voilà, on va vous présenter ça. En vrai, le gameplay est sympa, c'est rigolo, on va passer un bon moment. Vous inquiétez pas, ça ne pique pas. Vraiment, c'est indolore et ce n'est pas dangereux pour la santé. Avant de présenter cette decklist. Ah oui, avant. Putain, le mec il me lance comme Passe ça. des. Passe décisive. N'oubliez pas de nous soutenir avec le code VALEPL2020 sur Magic Bazar, notre sponsor. Merci énormément à eux. Ce code vous permet. C'est si vous souhaitez nous soutenir. Évidemment, Le mec n'hésitez il pas dit si. n'oubliez pas quoi. Non, Soutenez-nous. n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais n'hésitez vraiment pas. Non, voilà, si vous avez des achats à faire sur la boutique Magic Bazar et que vous n'avez pas encore utilisé ce code, eh ben, il vous octroie le droit à un booster différent selon le panier que. Le Selon montant de votre panier. le montant de votre panier, voilà, il y a différents paliers, ça s'affiche juste là, voilà. Exactement. Et puis c'est cool, ça nous permet de nous soutenir. Merci à Magic Bazar de mettre ça en place. C'est juste du bonus pour vous. En plus sur la boutique, bah voilà, c'est divers et varié. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du Magic, vous avez le droit d'utiliser ce code sur n'importe quel achat. Des cartes Final Fantasy. Entre autres, Si vous voulez. du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Dragon Jeux de Ball, société, des des Lego. Des Lego. Non mais pop. c'est fou, j'ai vu qu'il y avait des Tout. Porsche, gros. Pas du Il y a tout. des Porsche Pas du tout. en Lego. Pas Il y a peut-être. une Porsche en Lego. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez nous soutenir et que vous achetez des choses sur l'Epic Game Store, Magic Arena est apparu sur l'Epic Game Store. Et donc du coup, on a un code créateur, c'est Magic Arena FR en majuscule. À chaque fois que vous faites un achat sur l'Epic Game Store, vous pouvez rentrer ce code-là et ça nous reverse un petit pourcentage de votre achat. Voilà, si jamais vous consommez sur ce serveur-là, sur cette plateforme-là, bah, n'hésitez pas aussi. Tout ce dont je vous parle est en description. Isaac, du coup cette decklist, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, cet écrit-là, vous connaissez. On veut On ramper. veut ramper un maximum avec un nouvel outil de rampe d'ailleurs. Maintenant, on n'a plus les druides de paradis, on a repris le côté LM. Donc on veut ramper avec Pesseur Arboricole, Druide sans feuille, Spirale de croissance. Uro, nouvelle carte qui permet du coup de ramper et qui permet aussi plus tard d'avoir une grosse bête qui peut mettre la pression, gagner des points de vie, etc. Il est Très très dégueulasse intéressant. ce gros. Piocher des cartes qui est dégueulasse. Il a une. Regarde sa bouche. Zoom sur sa bouche. On dirait un tuyau d'aspirateur. Ouais. Tu vois? C'est genre. Ouh, en fait, voilà, il Tu ramasse. sais, quand tu enlèves l'embout pour passer dans les zones un petit peu complexes, eh ben c'est ça sa bouche. Uro l'aspirateur. Gros Titan l'aspirateur. de la rage de la nature de l'aspirateur. Eh ouais, incroyable. Récif émergent qui permet de ramper ou de faire de la value suivant ce qui se passe dans la game, suivant ce que vous trouvez au-dessus de votre bibliothèque. Du coup, qui combattent avec Druide sans feuille et Cavalier d'épines, qui sont des élémentaires. Au-delà de ça, on a des payoffs avec donc Nissa qui permet de gagner la partie. Vous connaissez. Krasis Hydroïde qui permet de piocher. Et là, vous dites, il n'y a pas 4 Krasis. Et non, on fait de la place pour les agents de traîtrise Eh qui vont ouais. permettre de voler des permanents. Et la nouvelle synergie sympa, c'est avec Tassa. Quand vous blinkez les permanents que vous volez, vous les gardez sous votre contrôle, vous ne les rendez jamais. Et si vous blinkez votre agent de traîtrise, vous revolez quelque chose. Donc dans le même tour, vous pouvez voler deux choses. Si vous avez déjà Tassa, vous jouez agent de traîtrise.
C'est très très fort. En mirror, c'est C'est ça. extrêmement puissant. Ça permet de voler, entre guillemets, enfin de disrupter la synergie de votre adversaire tout en renforçant la vôtre, et c'est vraiment plutôt pas mal. Yes, et le cavalier d'épines, bon body, ça fait un peu ramper, ça reprend des cartes quand ça meurt, ça trigger C'est élémental. en totale synergie en fait, surtout avec une carte avec Ouro, parce qu'en fait vous allez faire tour 2 ou tour 3, vous allez jouer votre Ouro, il va aller au cimetière, vous avez accéléré d'un terrain et gagné 3 points de vie. Le tour d'après, si vous êtes accéléré d'un terrain, pardon, vous pouvez jouer ce cavalier d'épines, et ce cavalier d'épines lui va remplir votre cimetière tout pile assez pour pouvoir rejouer le Ouro le tour d'après. Donc ces deux cartes-là, elles sont un peu en bise-bise quoi. Alors, pile AC, oui et non, parce qu'en fait, tu ne vas mettre que 4 cartes au cimetière, alors qu'il en faut 5. Mais si tu ne prends pas de land, tu le remplis AC. Ouais, mais en fait, en gros, ça t'accélère bien la sortie d'Ouro, et si t'as Ouais. déjà fait une spirale de croissance, par exemple, au tour d'avant, Oui, ça c'est sûr. Ou une bête qui est morte. voilà, ou une bête qui est morte, t'es dans les clous, quoi. En tout cas, ça Effectivement. t'aide bien à recaster Ouro assez rapidement. Les deux cartes synergisent bien, et je fais comme ça comme s'ils Elles étaient font des amoureux. bisous. Alors que pas du tout, de toute façon, le cavalier est infiniment petit Ça nous regarde pas. par rapport à Ouro. C'est-à-dire que Même s'il la veut lui taille, ça ne faire compte pas. s'il veut lui faire un bisou, il se fait automatiquement inspirer, tu vois. C'est un bisou de luxe. Ah, c'est très compliqué. Bref, ces petits lands, parlons-en. Passons. Château Ventresse qu'il a pour Scry, vous allez pouvoir vraiment. Vous allez avoir tellement de mana rapidement que vous pouvez vraiment même faire Scry 2 à votre entretien et avoir plein de mana pour jouer des agents de traîtrise, etc. Et puis le reste, c'est du classico classique hein, pour ces couleurs-là. Une zone de déflagration, on n'a aucune interaction à part l'agent de traîtrise pour voler des cartes. Du coup, cette petite zone permet des fois de gérer plusieurs Contre créatures les tours 1 de ou plusieurs Rakdos, menaces. par exemple, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a certains decks aussi qui ont pas mal de trucs qui coûtent 2 ou qui coûtent 3. Et ça permet de faire une vrasse unilatérale contre certains decks, c'est Un clean de sympathique. board. Passons au On side. notera quand même qu'il y a des versions un petit peu qui se sont stabilisées. Là, on essaye de jouer avec les cartes de Terros, on s'amuse avec la synergie élémentaire. Il y a aussi des Simicramp si vous voulez vraiment jouer un pack très très fort, qui enlève toute la synergie Tassa, Agent de Traîtrise, Récif Émergent, Élémentaire et compagnie, et qui ne fait que ramper dans Finale et Cochon. C'est très redondant, ça fait ça très très bien. Vous allez en rencontrer sur le ladder, donc voilà. Faites 2-3 recherches. Si vous voulez jouer ça, il y a des bails sympas aussi, quoi. Yes, sideboard, hop là, on a, non j'avais déjà le sideboard en fait, T'avais déjà le tac, sideboard. on a des interactions, enfin des réponses pendant avec Botte dédaigneuse, Rafale d'éther, Dispute mystique, qu'on va rentrer bah, déjà dans le mirror, pour ces cartes-là, et Ouais. dans beaucoup de match-up en fait sur le ladder, Match-up contrôle, on veut et pas prendre match-up de contrôle vras. notamment, Rafale d'éther, ça à part le mirror, ce sera plutôt contre les decks aggro, Ouais, contre les Pour aggros. avoir des réponses, tout ce qui est bah, Gruul qui réapparaît un petit peu, mais surtout Rakdos ou Mono Rouge. Quand vous remettez un Torbran en dessous ou au-dessus, bah, il n'est pas content. C'est ça. Typiquement Mono Rouge ou une Ember Cleave. Pour parler des match-ups, le deck peine énormément contre les match-ups aggro et combo. Alors combo parce qu'il n'a pas de moyen d'interagir avec les combos de votre adversaire. Donc tous les decks qui sont combo, il n'y en a pas trop en standard. Bah, du coup, on vit mal ces match-ups-là. Et les decks aggro, pareil, on joue un peu de notre côté. Et si l'adversaire nous joue plein de petits tours 1 et qu'il essaye de les Umbercleaver, entre guillemets, de mettre des Umbercleaves dessus, bah, forcément, on y répond très très mal. Et le side essaye de corriger ce désavantage. Par contre, les bons match-ups sont naturellement des bons match-ups, sont les decks midrange. Bah parce que Ramp contre Midrange, Ramp a toujours gagné depuis l'histoire de Magic. Hein, vous allez faire des plays Depuis plus l'histoire de la puissants, forêt. depuis l'histoire de la forêt notamment. Et contre contrôle, bah le fait de jouer des cartes comme Krasis qui vont passer au-delà des contres, bah voilà, on arrive à bien overpower aussi ce que fait contrôle. Yes. Pour justement un peu ne pas mourir trop tôt, on a Bête Frappée d'Amour, très très bonne bête, qui permet du coup d'avoir deux créatures en une à 1 pour temporiser le premier tour, puis une 5-5 qui va bien disrupter l'agression adverse. De Brontodonte, pareil, qui va permettre de mettre une créature de géant Umbercleave ou d'avoir de la hate d'artefacts d'enchantement contre notre deck, notamment Réclamation qui fait son Réclamation qui retour. revient, effectivement. Et Ceratops changeant, dès qu'il y a du bleu en face, paf, Ceratops, Bam, tout droit. attention, pas contre en mirror, Non. c'est pas incroyable, mais par contre contre les autres decks qui jouent bleu, Ceratops, ça c'est bien bien Contre fort. Jeskai Cavalier, contre Azorius, contrôle. C'est un peu moins fort contre les decks Esper parce qu'ils vont avoir des anti-bêtes noires. Ouais. Mais voilà, contre Azorius, contre Jeskai Cavalier, contre Flash, c'est super bien. Très très bien, à voir si vous rencontrez très peu de match-up, vous pouvez rentrer les Ceratops, il faut Renforcer les enlever. les match-up agressifs avec plus de Ouais, bêtes plus de frappées, des bêtes, plus de Brontodontes. Vous pouvez Brontodontes. aussi jouer des Hydrovoras qui font très très bien le taf. Ouais, et on va partir sur later. Yeah, let's go, c'est Hop, t'as parti. le ladder classé en BO3. Transition. Vas-y, moi je veux bien Oh. jouer un peu ça. Ah bah joue un petit peu ça du coup. Hop, je te prépare tout, regarde. Ça me Hop, titille. non, c'est pas Ah non, ça. c'est pas le bon. Elle me rampe. Elle est rampe. Et c'est Allez, parti. let's go. C'est Tassa qui me rampe? Oui. Bah oui, forcément. Évidemment. Ou non, c'est Nissa en fait. Les deux, Oh, je les deux. pense. Tout le monde aime rampe. Elles sont potes, elles, les deux aussi. Elles sont comme ça aussi? Peut-être.
Encore une fois, différence de taille. Oui. Qui n'est pas importante. Ce n'est pas du tout important. Ah, le jeu te prévient, si vous souhaitez engager des terrains spécifiques avant de lancer un sort, engagez-les avant de lancer le sort. Donc il te dit, hein, attention, on peut faire un peu d'imp. Ok. Faites attention quand faites même attention. à ce que Mais le on jeu est va faire prévenu pour du coup. vous. On garde toutes les mains avec des mécaniques de rampe, donc genre pas On prend pas celle-là. ça. Genre ça. Ça c'est bien mieux, on va enlever une petite forêt. La petite forêt, et du coup on fait récif, d'entassage, blink récif, tour d'après cavalier, et le mec il est du père quoi. C'est pas mal. Là, si on trouve en plus un petit drop 2 là, au tour prochain, genre spirale de croissance, ce Il y a serait des trucs très à très bien. faire, ouais. Ok, bah une stratégie agressive qui bat plutôt bien ce que notre deck veut faire. Là, je pense que tu mets plutôt le château encore. Ouais, c'est vrai. Typiquement, c'est le genre de match-up qui peuvent être difficiles à battre. Ouais. Faut pas qu'il fasse une sortie trop agressive. Ça a pas l'air d'être le cas, et tant mieux pour nous. La une est compliquée. Après ça, ils ont rééquilibré un peu. Après, s'il fait un argent, il faut que ça trouve un land là. Parfait. Bah non, de toute façon, en tout le cas, on allait faire Tassa dans cavalier, donc. Ouais, mais pouvoir faire cavalier plutôt que Tassa. Bah, de toute façon, on peut pas, on n'aura pas les trois verts. Donc, Ah ça a pas mince, on n'aura trouvé le pas les bon trois land, verts. Ouais, malheureusement. non, effectivement. Mais si on pouvait, on aurait mis Ouais, on cavalier. aurait mis cavalier si on avait les Un trois verts, gros effectivement. bloqueur. Bon, là, c'est Tassa, on veut faire de la value. Une ch'tite forêt. On va juste passer le tour, refaire un coup de blink. Ouais. Hop là. Et là, contrairement à d'autres packs simiques, on a beaucoup plus de value avec ce moteur-là, qui est très intéressant. Oh, on veut tout mettre, hein. Fait vraiment vite beaucoup de mana quand même. Hein. Là, Ouais. on trouve une Krasis et Et on fait du mana en on filtrant le deck. stoppe un petit peu la game quoi. Le problème c'est que là dans ce pack-là, enfin, un problème, ça dépend. Hein. On a moins de Krasis parce qu'on a privilégié l'interaction Tassa Agent de traîtrise. Agent de traîtrise. Mais là c'est vrai que dans ces match-ups comme ça, on voudrait vraiment trouver des Krasis pour gagner Assez assez vite du rien PV de quoi. sacrifice, donc pour le coup le match-up est moins dégueulasse. C'est moins dégueulasse parce que c'est un peu moins agressif. Mais ça reste. Ouais. Tu vois. Oh, on prend quand même 5, on perd la jambe. Ouais. On perd Oh, la elle fait, jambe, on carrément. perd la jambe, Putain, coupée. c'est horrible! Bah, elle était gangrenée avec Ouais. tout ce qu'il fait en face là. Forêt, est-ce que tu peux faire. Je crois que je vais faire Ouais, cavalier, je non. rentre de 2 et on aura spirale avec Ouais. le cavalier. On peut même faire plutôt Ouro en fait d'ailleurs. Trouve un land vert dégagé. Ouais, genre ça. Il faut payer 2 PV. Ça les vaut, on en gagne 3. Oui, on en gagne 3, donc ça les vaut. On a même un euro, ok. Là, du coup, on pourra jouer euro tour prochain si on pioche rien d'autre. C'est ça, et c'est plutôt bien Ouro contre lui. Un 6-6 qui nous fait gagner 3 PV tous les tours, on Ouais, c'est prend. bien. Et c'est ça que j'ai dit, par contre, on Voilà, ping. Donc en fait, on a on juste n'a rien pas perdu. gagné ni perdu point de vie, mais on a avancé. C'est ça. On va blinker le cavalier. On va remettre un land en jeu Là, et on pour le a coup. un bon bloquant. Le problème, c'est que s'il a de la reach, c'est-à-dire des moyens de nous mettre des dégâts à distance avec un four, on. Ok, ça doit Fail. être très rare ça, avec Ouais. les 27 lands qu'on joue. On a des ours à jouer Ouais, par contre. on va On a se un trouver un cimetière peu bien mal, plein. quoi. Il doit avoir 20, 10 cartes au cimetière, non? Aïe 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 aïe, ça. Sans gestion, ça va nous enfoncer très très fort dans le sol, Et ça. on n'a que l'agent de traîtrise pour interagir avec ça. Ouais. Oh, bien joué. Il donne la célérité. Alors, Je est-ce crois qu'on qu'on a est une mort. Krasis? On est mort? Bah là, on va 3, prendre 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7. 4, 5, Ouais, 6, plus 7, les 2. 8, plus Ok, les 2, ouais. bien joué. Au point près. Ouais. Bon, de toute façon, c'est un match-up qui n'est pas du tout acquis de base. Non. C'est vraiment ce qui bat très très bien Simicramp, c'est ça. Alors, bête frappée, brontodonte, rafale. Et Ouais. encore que rafale, je suis même pas Bah persuadé. moi je mettrais plus Rafale que Brontodonte pour le coup. Ah bah non. En fait, rafale, Ah non, il joue les ça. fours. Ouais, c'est pas très très bien. Que bête frappée, je veux dire. Non Il a plus. pas. Et en fait, il est pas très aggro. Hey, mais en fait, on était à 10 parce qu'il nous a mis des points par le board. Alors que Rafale, il y a plein de créatures que ça ne gérera pas. Ça remet juste à plus tard ses diables et c'est tout. Tout le Il a reste, que le c'est diable en noir. rouge. Oh, ouais, si c'est Rakdos Sacrifice, c'est pas très bien, Rafale. Ah, s'il a que le diable en rouge, ouais. Ouais, il a pas d'Umbercleave ou quoi. Tu vois, l'ennemi contre Rakdos Cleave, je me serais tâté, mais. Et du coup, je crois qu'il faut dégager les récifs. Récif, c'est trop lent contre Bah, ça se fait lui. pinguer Épaisseur, surtout. c'est bien. Et on peut cutter du coup un truc trop cher, un agent typiquement ou un cavalier. Ouais, c'est vrai. Agent, c'est moins fort contre lui. Donc je pense qu'on peut cutter facilement un agent. Ouais. Ouais. Ok. On va y Et on aller est comme parti ça. comme Hein. ça, ouais. Pas facile quand même. Hein. Ouf. Non. Hop là. Il va falloir trouver directement nos cartes de side pour temporiser un maximum l'agression et essayer de passer vite à Jean ou Krasis en fait.
Et ça va être un mulligan. Et c'est mieux. Ouais, c'est même très très bien en vrai. Bah, on va lier un cavalier d'épines. Ouais. On va faire forêt, épaisseur, temple, en espérant trouver un petit land. Absolument trouver un petit land. Ça n'en est pas un. Après, ça fait du mana. Ouais, je pense qu'on veut... On a 27 landes, donc on se donne une grande chance d'en piocher un. Ok, là déjà on temporise. C'est pas le cas. C'est pas un land, mais on temporise toujours. Ouais. Après, c'est quand même un peu pas de chance quand même. Ouais, on va en trouver. Si on trouve pas ton prochain, là ça va commencer à puer du cul. Grave. Après, si on trouve un troisième land, on peut faire bête frappé d'amour. Donc, ouais. Donc avec le quatrième land, tu peux avoir une Krasis à 1. Enfin, à 2. Et tout cavalier d'épines et tout. Ouais, tu fais des trucs. Commence lui à assembler des bonnes cartes. Hein. Ah, un petit land, une 5-5. Et go. Il peut même décider. Non, il va la trade, je pense. C'est pas très bien. Il trade et il peut récupérer la carcasse. Ouais, enfin, pour récupérer la carcasse, il va devoir investir du mana et tout. Hein. Ça va être chiant. Ouais, mais plus tard, il peut le faire. Plus tard, il n'y a pas de souci, moi. S'il fait ça plus tard... De toute façon, t'as une 5-5, une 0-3... J'avais pas trop de raison, mais c'était discutable d'essayer de lui faire trade et qu'il perde un peu de potentiel d'agression. Il y avait débat. Parce qu'en vrai, c'est pas nous qui allons attaquer avec cette 5-5, donc... Bon, why not. Ok, il peut pas jouer son diable ce tour-ci, c'est une très bonne nouvelle, et il perd aussi un effet de ping en étant obligé de passage merveilleux, donc... Tout est bon pour l'instant. Pas de land. On va pas jouer cette Krasis, on va faire une fin de tour et on espère qu'il développe pas trop vite son plan de jeu. Ouais, là, si, puisque nous on peine. Si la diable c'est dur. Mais ce qui est bien c'est qu'on a tout en main, on a juste à trouver des landes. Ouais, il a pas de diable, donc tout va bien pour l'instant. Il a trouvé un land du coup au top deck là. Ouais, il va nous mettre des voler, points. Sacrifier, piocher une carte. C'est très fort. Ouais. On a loupé deux tours de land. On a loupé deux tours de land, ouais. Ouais. Et là, notre meilleur play, ça sera quoi? Krasis ou Tassa? Enfin, non, les deux cassés. Middle de ouf. Ça, c'est bien. Une réponse. C'est bien, mais c'est tard, en fait. Vu qu'on n'avance pas dans notre plan de jeu, et nous, pour le coup, sans mana, on fait rien, quoi. Ouais. Alors que lui, il a un moteur de pioche. Ouais. Déjà que le match-up est difficile, si en plus notre liste ne fait pas ce qu'elle est censée faire, c'est l'enfer. Vraiment. Et ça rime, en plus. Oui. Et là, il aurait fallu quand même mieux un mana plutôt que ce brontodonte. Oui, mais c'était une moins mauvaise draw que la norme, quoi. Ok. Il les a pas des sides, hein, et pour le coup, bah, ça marche très bien. Je pense que tu prends 6, là. Pour garder, pour chum block le 2. Ouais. En fait, t'économises 2 points de vie sur la durée. Ouais, ouais. Par tour. Sacrifier brontodonte. Et il revient au galop. Si je trouve pas de land, on va concéder et passer une autre game et tempi quoi. Et encore que même en trouvant un land, il a un moteur de value de ouf. C'était pas notre game. Non, bah ça arrive hein, des fois. Hein. Ouais. En vrai, la main avec deux landes dont un temple et 27 landes dans le pack, on a quasi une chance sur deux. On a une chance sur deux de piocher un land. Je conçois que tu gardes pas ces mains à deux landes là et qu'il faille mouliganer forcément dans des mains à trois landes. Je peux concevoir, mais on a tenté quoi. Bah, on a été un peu grid quoi. En fait, par rapport à nos statistiques de piocher des landes, on a vraiment pas eu de chance. En fait, t'as eu 4 fois une chance sur 2 de trouver le troisième land, mais par contre de les enchaîner après, c'est vrai que c'était peut-être pas très bien. Bah, en fait, t'as toujours une chance sur 2. Ah ouais, mais bon. Donc si tu fais si tu pars de deux landes et que t'as que une chance sur 2, je pense que c'est trop faible pour ce que veut faire le deck. Peut-être. Probablement. Mais en fait, on a été. Ça, c'est parfait. On a été mal indiqué parce qu'on avait, les cartes de side en fait dans la main. Je pense que tu vas pas jouer ton druide sans feuille, tu vas faire double temple. On va faire double temple, récif et druide sans feuille pour trigger sur récif. Un joueur. Toujours cool, ça. Je garde. Est-ce qu'il va bien? Le tour 4 est un peu vide souvent dans le deck, si on n'a pas Tassa. Enfin, une carte à 4 mana en tout cas, donc une Krasis, c'est pas déconnant. Je garde. Hein. Bah ouais, tout ce qui fait, ça fait piocher et tout. C'est de l'accélération, c'est bon à prendre. Si sur récif en plus on trouve un terrain, on pourra enchaîner par cavalier et du coup je pourrais préserver cette Krasis. Franchement, ça m'emmerderait de la jouer au tour 4. Je crois que je préférerais même faire un druide sans feuille. Peut-être ça te permet d'avoir des plays et de continuer à creuser ton deck si tu trouves rien, la Krasis. Ouais, ouais. Tamiyo, il y a des decks qui jouent Tamiyo. Ouais, bah les dernières versions de Mengucci jouent de Tamiyo, ouais. Qui est full ramp par contre, il n'y a plus de mécanique LM.
Ça a l'air plutôt pas mal dans ce spot-là. Il est sur le play et Ouais, il avance bah, bien. c'est ta façon de générer de la value. Ouais, et Après, si tu l'as ça. pas, Tatamio, il en joue que 2. T'as beaucoup, beaucoup moins de value qu'LM. J'en Bon. pense que moi, j'ai fait des games, c'était En vraiment fait, t'as démesuré. moins de value, mais tu fais tout le temps la même chose plus qu'LM, parce qu'en gros, tu veux juste arriver à 12 mana par n'importe quel moyen et jouer Ouais. finale, quoi. Par contre, ça s'énergise très bien avec Uro. Landrecif. Ouais. Il faut absolument trouver un mana là. On pouvait Uro pour être sûr de. Bon, c'est bon. Uro, on était sûr de jouer cavalier tour d'après. Ouais, mais on va essayer de rattraper le manque de value qu'on va avoir en face de cette Tamio, quoi. Il a commencé, donc il est Nos avantagé. agents de traîtrise vont faire beaucoup de bien dans le miroir, si on les trouve assez tôt. Par contre, lui, il a un kill sur board bloqué que nous, on n'a pas, avec finale. Et ça, Ouais, c'est mais si on trouve difficile. nos agents, on va lui enlever petit à petit Petit à petit, ouais, il va falloir. ce qui fait de la magie. Après, Nissa qui se résout avant, et nous, on n'a pas Nissa en main. Si on top deck Nissa, on s'en sort. Si on l'a pas, par contre, on est très très loin derrière. Ouais, je pense aussi. On va prendre 3 points. Et on ne l'a pas. Ah, c'est cavalier ici. Malheureusement. On va pouvoir bien s'accélérer en mana, proposer une crasis décente le tour d'après, mais elle sera toujours pas aussi grosse que la sienne, quoi. Il y avait une Malheureusement. Nissa et un agent qui partent au cimetière. Ouais, et même Tamio doit être pas mal pour ça, justement, de récupérer ces cartes que tu te. En fait, tu fais tellement de sélections. En fait, tu vas tellement creuser ton deck en mettant en cimetière avec les cavaliers. Bah, qu'en fait, Tamio, ça permet de récupérer. Là, typiquement, une carte Tamio, en fait, ça nous trouvait littéralement l'agent, quoi. Ouais. Ouais, je crois que c'est une Agent concession sur ici. Hein. cavalier, on va passer à la 2. Ouais, je pense. On reviendra pas de cette game. En plus, on n'a pas de mécanique de comeback, naturellement, donc. Miroir de rampe, c'est vraiment presque celui qui gagne le toss qui gagne. À main À main équivalente, égale. ouais, Ou un alors petit celui peu. qui rampe plus, parce qu'en fait, si vous rampez plus, c'est comme si vous aviez le toss quasiment. Ouais. Là, typiquement, comme il a plus rampé que nous, il a eu d'abord 5 mana pour jouer Nissa. Et ce qui fait que ça lui a permis, lui, ensuite de reprendre l'avantage, etc. On va enlever l'épaisseur. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu trop mignon, Tassa, agent? Il faut juste garder les agents et les Tassa, c'est Franchement, out. tu lui voles tous ces trucs, c'est Oui? fort même. Ouais, mais il suffit d'un agent pour voler le bon truc, tu vois. Parce Tu que. voudrais enlever les deux Tassa là? Ouais, bah de toute façon, en fait, il faut faire de la place pour cette shell-là, en fait. Parce que quand il fait summum, tu peux aussi faire Tassa, tiens, j'engage deux attaquants. Et tu enlèves genre 40 points de dégâts. Ouais, mais t'enlèverais quoi alors dans ce cas-là? Alors moi j'enlevais ouais, l'épaisseur, un Ouro. J'enlevais. Ça, le problème. Bah j'enlevais un agent mais j'en jouais 4. Faut enlever 4 cartes là. Ouais. Eh ouais. Ça, c'est ça dont je te parlais. Il y a des match-up, t'as envie de rentrer tellement de cartes de side. Ouais, les match-up où tu veux réagir un petit peu, genre miroir de rampe, quoi. Pour ça, moi, je te dis, t'as ça, c'est la carte qui fait rien toute seule, en Ouais, tu fait. peux virer peut-être les Tassa. Un cavalier d'épines. Et un cavalier, ça C'est me pas va. fou dans le miroir. Je suis Et d'accord. soit une Krazi, soit un agent à enlever. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment les meilleures cartes qu'on veut Ou une toucher. spirale, parce que t'as rentré les interactions à 2. Ok, mais du coup, on rampe un peu moins. Déjà qu'on a Ouais. enlevé un Uro, c'est dur, hein. Tu rampes un peu moins, mais t'as plus de gestion. Donc en fait, le retard que tu peux avoir, tu peux le rattraper. Ou tu peux l'empêcher d'avoir de l'avance. Ok. Parce que là, normalement, avec ce que tu rentres, si tu ne rampes pas, tu as une réponse. Est-ce qu'en fait le pack LM est pas même plus compliqué que le pack full ramp? Parce que justement le side est compliqué, tu veux garder ta synergie LM alors que lui il a pas de synergie, il rentre plus facilement d'interaction que nous, tu vois. Peut-être à terme en fait. Peut-être, on doit mulligan, on n'a pas de Mulligan. mana bleue. Bah, c'est mieux, on va enlever agent. Yes. Et ça fait mal au cucu d'enlever agent. Ouais. Les Ouro, moi je les trouve pas incroyables. C'est très très Toujours. bien contre contrôle, ça le fatigue, ça l'épuise de ouf. La carte, voilà, la créature est bien contre contrôle, mais sinon. Bon, ça reste un accélérateur décent dans les matchs à prendre, quoi. Ok, dispute, c'est pas mal. Ok. Je suis même prêt à dispute une grosse pyroll ici, en vrai. Le récif. Allez, let's go. Du coup, par contre, on n'est plus dispute up, pardon, pour son Uro à lui. C'est Non, mais c'est pas très pas grave. dramatique. En fait, c'est pas trop, pas tant la rampe qu'il faut cueillir, c'est plus le payoff curvé, tu vois. Ouais, mais avec dispute, tu cueilles pas trop les payoffs. Ah bah curvé si, hein.
Oui, si c'est curieux, mais c'est-à-dire que toi, t'as pas joué le tour d'avant, parce que, en fait, une Nissa, faut avoir 3 manas pour l'accueillir. Ouais. Y a pas trop de payoff bleu, quoi. Mais là, tu vois, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais faire druide sans feuille? Moi, je voudrais faire ça et avoir dispute. Top. Le problème, c'est que si lui, il fait Nissa, t'as envie de le cueillir, quoi. En fait, Ouro fait un peu la même chose que Spiral, juste tu gagnes 3 PV. Donc si jamais tu veux faire Ouro, le mieux c'est de garder Spiral. Pour s'il fait Nissa, bah t'as mis Dispute Mystique. S'il la fait pas, t'as Spiral. Mais Spiral, si je trouve pas de land, j'ai pas de dispute mystique. Mais Ouro c'est pareil. Ouais, je sais bien. Mais c'est pour ça. Donc du coup, comme je suis pas sûr d'avoir un land, je mettais le plus fort, mais. Bah en fait, si tu fais Ouro, t'es sûr que T'es Nissa tu sûr que t'en c'est prends. mort, ouais. Donc moi je resterai up pour faire Spiral. Ouais, je crois qu'on va juste rien faire en Ou tu peux fait. druide. Et tu restes up pour faire spirale ou dispute. Mais du coup, tu prends Nissa aussi. Et du coup, faut juste rien faire et faire spirale fin de tour. Je pense, ouais. On peut aller mettre des Voilà, points sur ça. celui-là, il est gratuit. Lui, il est gratuit. Allons-y. Ok. Allez, hop, ça, c'est non. Ça, c'est Si cueilli. t'étais grid, tu faisais spirale, je trouve un land, je le Ouais, joue. mais tu Tu trouvais vois, pas de land. ça marchait pas. Là, par contre, tu peux faire druide sans feuille. Trigger le récif. Ouais, ça. Ouais, ok. Ça revenait un peu. Agent et tu gardes pour spirale. Ouais, on va lui faire croire qu'on a une Ouais. interaction. C'est un peu chiant de pas lander. Ça fait deux gains d'affilée là, c'est vrai que c'est assez casse-couille Alors en jouant beaucoup de land. je sais que y a des versions qui montent à 28-29 land, mais ça me paraissait énorme, tu Ouais. vois. Quand tu vois. Ah, il a donné ça, il est fort Mais bon, quand tu vois ce que ça fait, tu te dis, bah ouais, peut-être qu'il faut. là. Après, franchement, j'ai déjà joué des decks à 24 ou moins d'un land. Genre, j'ai fait des floods en BO3 avec mon eau rouge. Hein. Et je joue 20 land. Ouais, après là, tu les rentabilises, tes floods. Hein. Et Ouais, mais je veux dire, je jouais 7 landes de moins et j'avais plus de landes que là. Ouais. Donc je pense qu'on a juste vraiment pas de chance. Bah, on va jouer notre Nissa. Ouais, On pouvait détaper dans être à 10 aussi à Mystique. 4, mais bon. Bon, c'est pas très très bien. On fera Et une meilleure taper Bassin crasis d'élevage. tour d'après, quoi. Un, 1, 2, deux, 3, on peut trois. faire Ouro, mais si on trouve pas de land, on n'a pas de Non, tu gardes Mystique. juste Mystique à 3. Ouais. Pas d'attaque. Enfin, 3 mana pour me dispute Et nous, Mystique. on a un agent de traîtrise le tour d'après. Si jamais lui ne joue pas le sien avant nous, mais on peut le cueillir avec dispute, donc ça Ouais. va. On n'est pas si mal. C'est vraiment les cartes clés du match-up, hein, ces interactions-là, de pouvoir dire non à ce qu'il va nous proposer. La pire carte qu'il pourrait nous jouer, du coup, c'est une Krasis. Mais s'il est trop grid, c'est juste dispute et t'as pas ta bête quoi. Il a pioché des cartes, hein, mais c'est en fait c'est comme s'il nous redonnait un peu de tempo Ouais. de faire une Krasis. Il nous propose quoi, là? Krasis, à mon avis. Il fallait taper un bleu si c'était pour argent. Ben ouais. Il peut pas Ouro non plus, donc il D'ailleurs, il fallait un aurait bleu. pu. Là, il le fait à 9, il peut la faire à 10 s'il paye correctement. Ouais. Il a un peu Ça mal dégage, je payé. crois, en Oh, fait. ça Ou dégage ça. alors on la pique, hein. Y a aussi un bail. Hein. Bah, On peut c'est pas mal, faire je trouve, piquer de faire. Nissa. J'active Nissa, ouais, je pique Nissa, je réactive. Ouais, Tu ça va lui mets mettre une beaucoup de grosse points. présence, beaucoup de points. Il a plus de Nissa, on en a déjà contré une. Il a pas sa Krasis non plus. Bah. C'est pas mal du tout. Ok. Land. Là, tu. J'active Nissa, je Ouais, pique bon, Nissa, il ouais, sait ce il qui le va se sait. passer. Et au courant, comme quoi le Bon, là, match-up est très défini. on pouvait aussi Krasis énorme. Non, non, Et mais là nous, je elle pense. passait. Ouais, mais non, parce que lui derrière il peut te la piquer avec son agent. Faut gérer Nissa à tout prix, je Ah, pense. mais tu tuais Nissa là. Sinon, t'avais 7 points. On avait 7 points, effectivement, on pouvait faire Krasis et tuer. Mais du coup, on la faisait pas énorme parce qu'on allait devoir engager. Enfin, on perdait le mana des Tu attaquants, perds tu des vois. 4 mana, Ouais, je pense qu'il fallait juste piquer la Nissa. Je crois qu'on change pas le ouais. side. Non, on reste comme ça. Est-ce que. Il y a des trucs que tu veux rentrer? Rentre que des bêtes frappées d'amour, des Ceratops, c'est tout, Mais tu tu sais passes en que beatdown. bête frappée d'amour et tout, c'est des cartes qui sont, quand elles sont pas attendues et qu'il n'y a pas les interactions pour, même contre rampe, ça fait chier. Hein. Enlève trop Ouro, mais trop bête. Non. Alors go. Mais c'est intéressant, je suis sûr que tu pourrais voir Ouais des ouais. sides étonnants. Et je sais que dans les Mirrors de Simic, à l'époque du Mythic Championship 6, on a vu Paulo Vitor da Amodarosa contre Straski rentrer des bêtes de quête dans le Mirror de Simic. Et c'était inattendu, il l'a fait quand il était sur le play. Et t'es là en mode, oh, tu vois. Alors que Réaction c'est pas pas du du tout tout dans le. la norme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde était vraiment étonné et ça s'est révélé être assez payant, quoi. L'étonnement était général. L'étonnement était général. L'étonnement était génial, même. Genre, tu fais. Oh! Oh, Sugoi. super! Incroyable. El parcero. El parcero. Alors, du coup, là, nos interactions sont encore plus importantes puisqu'on ne commence pas. Elle est Gardez. parfaite, cette Trop bien. Juste main. Nissa, Alpaz Cavalier. Oui, c'est vrai.
qu'on peut en dégager un peu plus en fait des cavaliers. Moi j'aime, enfin la carte est très forte, hein. Ouais. Mais souvent quand tu l'as en main tu fais oh, pas maintenant, tu vois. Pas tout de suite. Alors qu'on essaie de se cache bien. Taper pour attraper un ouro, ou ouais. Pas. Bah, est-ce que c'est bien d'attraper un ouro déjà? Se poser la question, parce que là on lui dit qu'on a une dispute. Hey, c'est vrai qu'il joue pas de récif. On s'en cague en fait. Non, peut-être que tu l'as engagé. On s'en fout. M'a bandé lui, de toute façon. Ouais, tu vas contrer plus tard. Après, s'il fait euro, c'est-à-dire qu'il nous fait Nissa tour 3, et dans tous les cas, bah, je peux pas dispute quoi. Ah, il fait rien, très yes. Bien. Yes. On fait Forego. Mais nous aussi, on fait rien, mais yes. Bah, on fera Aspire là. On ouais. Va des Landes et ouais, tout. Ouais, c'est cool. Non, là, c'est normal. Là, on est bien là. Là, je vous le dis, je le sens. D'ailleurs, c'est pas là qu'on sent, c'est là. Tu peux sentir avec l'oreille, mais tu sentiras pas grand-chose. Ouais, ça a pas marché quoi. Et il joue bien la dernière version de Mengucci à la carte près. Hein. C'est étonnant quand même. Hein. Les réseaux sociaux, tout ça. Hein. Ça communique comme les vases, vous l'avez. Aïe, end of turn. Je peux pas jouer récif et avoir dispute up, et ça, je vais te le dire, hein, ça me trouve vraiment le cul. Tu vois. Peux récif. Attends. Récif, châté. Châté, land, c'est d'ailleurs. On a gagné la game d'avance juste parce qu'on a fait dispute. Hein. Donc on va. Forego. On va Forego, ouais. Au pire, tu fais euro fin de tour. Non. Mais putain Non, mais on avance, on trouve nos landes. Non, mais à un moment, la dispute, il la paye en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et il peut dispute. Tu vois, il peut dispute notre ouais, dispute. Mais là, on va faire cavalier. Du coup, on n'est pas bien si on prend. Si 5, 6, si on top deck land, on peut piquer avec notre agent, ça a Nissa, pardon. Ouais. Et il peut nous interdire le play, tu vois. Moi, je tenterai, hein. Il n'y a plus que 3 cartes en main, on en a plus que lui. Ok. À moins qu'il ait vraiment genre contre et derrière, c'est genre Nissa Krasis. Ouais, j'y crois bien, malheureusement. S'il a contre Nissa Krasis, il est fort, hein. Il a pioché aucune carte, il a eu très peu de cartes actives. Ça sent bon. Je vous le dis, moi, ça sent bon. Voilà. Par contre, merde. Bah là, bah, je pense que tu. Bah non, maintenant t'as spirale, donc tu peux faire fin de tour et spirale. Ouais, c'est vrai. J'étais grid, j'étais là en mode oh, il l'avait pas le tour d'avant, il l'aura pas là. Mais non, il y a la carte du dessus. On peut toujours contrer là. 7, on peut, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah voilà, dispute, ça dégage. Allez. Tu pouvais encore faire le play grid. Dégage, ouais, mais. Après là, lui, il peut répondre jamais. Par dispute. Ouais, il va pouvoir dispute, ouais. Ok. Il a mis ça, maintenant il faut trouver des landes. Oh putain, quel enfer quand même, hein. Mm. C'est fou ça. Hein. Agent, c'est pas bon. Récif ou gros, récif. 28 landes dans Zeg, sûr. Putain, on joue 27, on galère quoi. Oh ouais, mais... C'est dingue, hein. Bah ouais. Et on galère en couleur aussi. Je pense vraiment qu'on a vraiment pas de chance. Hein. Ouais, ouais, j'avoue, mais 28. Comme ça, même quand t'as pas de chance, il est là, tu vois. Je pense qu'il faut jouer 50 landes. Tu hard mulligan, tu sais que derrière, tu vas trouver des landes tous les tours. Eh, bec couille. Oula. Ah bah ouais. J'allais dire, c'est pas bon de faire ça, mais... Bien joué. En vrai, on aurait pu encore la gagner. Hein. Ah non. Il est au top deck, on allait jouer Nissa juste après. Sur un land bleu, on pourrait faire des trucs. On allait jouer Nissa si on trouvait un land du dessus. Et il fallait qu'il soit ouais. Bleu. Pour. Enfin, moi, je pense, et avec les points qu'il nous met on board, on la gagne jamais, celle-là, je pense. Malheureusement. Il nous mettait peu de points, mais bon. Ah bah, c'est 3, 6, 9, 12. Oui, mais si tu joues Nissa, t'as posé un bloquant tous les tours. Et ouais, mais comme on est en galère de mana, le bloquant tous les tours, c'est un mana en moins. Ouais, mais si tu panis ça, du coup, t'as quand même beaucoup de mana. Pardon. Elle était mal engagée, hein. Ouais. Mais je pense que. Moi, je pense qu'on est à 99,9% de défaite, même si on choisit la carte qu'on pioche dessus. Dans ouais. Ce spot-là. Je pense qu'on était ouais. Vraiment extrêmement mal. Un peu extrême, mais pourquoi pas. Bah, je vois pas comment on pouvait battre ça avec le peu de mana qu'on avait. Avec 4 mana et. Bah, on a des cartes en main et lui non. Et sur un land, on faisait Nissa. Si c'était un land bleu, on pouvait faire Nissa into agent. Prendre sa Nissa et après il pioche des cartes. Je crois même pas, ouais, j'ai même l'impression que de toute façon notre Nissa est passée même pas le tour. Dégage. Tu voulais pas mettre un land de plus? Ouais, mais on va jouer à des clés comme ça. On enlève une spirale. Ouais. Ouais, non, une spirale, je pense. Ok. Bon, ouais, je garde tous les manas. Mmh. Tous les manas parce que. On a pas fait de mirror là? C'est pas un mirror là. Non, mais, non, on en a fait qu'un seul. Ouais. Ah non, le premier c'est Ragos. Ouais, ouais. Alors là c'est U-Wide Control, c'est un matchup qui est quand même un petit peu plus acquis, entre guillemets. Tu fais spirale en main phase. Je pense que je fais spirale en main phase, ouais.
pas trop d'intérêt. Ok, là on avance, on monte, c'est très ça, bien. Pas que ça te gêne. On joue contre UI Control, ça c'est chiant, et encore que ça va, parce qu'on joue que deux Krasis, parce que ça, ça embête bien les decks Krasis. Il a fail. Ah ouais, il a juste enlevé deux marqueurs loyauté. Bah super, écoute. Alors là c'est... Attends, non. Pourquoi ? Je pioche pas. Mais c'est pas grave, je veux juste lander. Ah, tu voulais lander ? Bah ouais, je vais en calme. Ok. S'en fout. Et druide du coup ? Ouais, comme ça tourne Spirale à son tour. Ou Spirale à son tour pour piocher une carte, si tu veux. Voilà, on fait ça. Ouais, juste on avance, on peut jouer Ouro. Okay. Là, c'est pas grave si on perd une draw, quoi. Sinon, ça voulait dire juste qu'on le jouait pas, quoi. Ouais. Ok, Spirale. Là, on a le droit de piocher. Parce que c'est la première carte qu'on pioche du tour. Parfait. Nickel. Se fait-on cueillir ? Ouais, on se fait cueillir par contre. Je pense qu'il y a Absorb au minimum dans sa main. Tu joues juste à ça du coup ? Ouais, je lui donnerais bien à ça. Il y a surtout Elspeth Conquiert la Mort qui répond. Mais... En plus. Quoi que c'est lui donner. Quoi qu'il advienne, c'est le lui donner quoi. Après, il a pas le deuxième blanc. Il faut qu'il passe. Hein. Si tu donnes rien, il va juste pas les jouer. Ouais, donc on c'est va perdre. Ça, ouais. Il avait Absorb. Ouais, mais ça sous-entend peut-être qu'il a pas le deuxième blanc pour jouer ça. Ouais, effectivement. Il y a trois châteaux en tresse. Ok, bon, on va passer ni ça ici. Teferi, Boon son augure. Ouais, il bouit. Il veut le deuxième blanc. On va essayer d'en profiter. On a une petite fenêtre et il faut que ça se passe bien. Donc, on va ni ça dans Narset ou dans Teferi. Il est gentil, il nous montre qu'il n'a pas d'interaction. Effectivement. Bon, je pense que dans tous les cas. Ouais, il faut ni ça. On y serait allé. Hein. Ni ça d'étape forêt et tu tues quoi ? Narset plutôt ? Je pense Narset, ouais. Comme ça, tes crasis seraient efficaces. Ouais, puis surtout, il y a un monde où si je dois lui piquer un truc, je lui pique un Teferi, comme ça, il dit plus non, tu vois. Ouais, druide sans feuille et go. Et passe. Et le tour d'après, on a agent. Contre ce match-up sur là. Sur un land, ouais. Ouais, contre ce match-up là, on veut toucher nos crasis. Bon, le tour d'après, on sait que Nissa le dégage. Par contre, on peut lui piquer un blanc avec agent là. Et on va le faire. Parce qu'il était clairement galère. Alors, y a, maintenant qu'on a une Krasis, il y a aussi piocher un milliard de cartes et voir ce qui se passe. Parce que même si j'ai ça avec nous, on en a récupéré une autre. Ouais, là le contre sera définitif sur Argent, alors que sur Krasis, on aura fait la value. Je crois qu'on est obligé de Krasis ici. Ouais. Qu'importe les points qu'on veut mettre. Alors, je garde juste 2 pour aller mettre des points. On fait Krasis à 9. Ouais. Et on pioche du coup 3 cartes. Ouais, c'est ça. Ça paraît ok. 7, let's go. Ok. Et là, si on prend Absorb, bah c'est bien pour lui. On pioche quand même nos cartes. Exactement. Joue les Ogre. Alors, il joue l'ancienne version, la version Terros avec les enchantements. C'est intéressant. Il doit y avoir des Dream Trawler quelque part dans son deck. Ok. C'est de la bonne value, dans ma value tiers. Druid Ego, ou tu prends Brass là ? De toute façon, si tu prends Brass, il te laisse Nissa, donc en vrai c'est ok. Ouais, je suis pas un druide sans feuille près, je pense. Alors que là par contre on fait beaucoup. Non mais beaucoup comme t'avais récif, tu pouvais te permettre de faire. Ah, de repiocher. Ah, c'était peut-être mieux effectivement. Mais en fait, comme il pouvait pas Brass et gérer Nissa, ouais. Et gérer Nissa, il te laisse avec tout ton malin et t'es quand même pas mal. Hein. Tu fais quoi ? Tu lui piques Elspeth Conquiert la Mort ou. Non, ça a pas trop de cibles horribles là. Ouais, un deuxième blanc. Par contre, nous, ça ne réanime. Ouais, ça réanime Tassa, bon. Ouais, je sais pas. T'as 10 mana. Si j'ai agent, je prendrais bien un castle. Mais pas plus, quoi. Ok, bah tu peux déjà forer. Enfin, 6 points. Ouais, ça déjà on peut. Pas se poser de questions. Gratos. Et là, tu peux récif ou Ouro et. Ah non! Non, le problème, c'est que tu peux pas faire agent, mais est-ce qu'on a envie de faire agent sur ça, tu vois, sur une de ces cartes-là? Bah, moi, j'enlèverais bien un blanc. Tu lui enlèverais un blanc? Ouais. Pourquoi? Pour pas prendre Vras? Tu prends pas Vras et il cherchait ses malins blancs, donc. Ok. On va lui prendre un blanc bleu, comme ça casse nos cartes. Ouais. Ok, why not? Récif et Ouro étaient pas incroyables. Donc, parce que. Il a moyen quand même d'aller chercher le blanc, tu vois. Donc, alors que Château, c'était pas mal. Il y a des choix. Il le fait à l'entretien d'ailleurs. Là. Ouais. Il a laissé deux au-dessus, donc il a dû trouver son. Ouais, c'est ça. Il a dû trouver son blanc. Ça, nous, on s'en fout. On joue pas de sort non créature, en tout cas peu dans le deck.
Il a trouvé un blanc ici. On peut lui mettre du coup 8 points. Ça mange pas de pain déjà, c'est Ouais. gratuit. Et on va aller Tu voir ce peux qui se passe. ouro, c'est moins de commit. Je fais à peu près la même chose en fait. Ouais. Je peux encore ouro. On peut même faire ouro comme ça. Ouais. Après là, t'as un beatdown, il doit réagir en En fait. fait, Donc, si on met ça et qu'il n'a pas de gestion, il est mort. est-ce que tu mets un. Tu vas Tu juste. proposes un lethal? Et non, il va reprendre Teferi, Boon, c'est ouro. Ouais, mais dans ce cas-là, derrière, il est pas si bien si c'est son seul play, quoi. Ah non, parce que c'est un play gratuit. Il va piocher une carte. C'est un play gratuit, mais c'est lui donner une cible. Alors que là, s'il peut, il va juste faire plus un. Non, on peut juste continuer à avancer si tu veux. Je pense que c'est bon play de faire ça. Moi, je vois quand même l'idée de. Il va falloir clore la game, sinon on la gagnera plus. Là, si tu veux, tu peux même récif et druide sans feuille. Tu peux faire plein de value. Bah, je crois, hein, que c'est le moment Vas-y, hein. avant de Vu que prendre tu peux Wrath. jouer Uro, de toute façon, après Vras. Ouais. Très Ok, très bien ça c'est pour bien. épuiser Druide le sans deck feuille. adverse. Ok. On va garder le PCR qui ne sert à rien. Ouais, on va lui faire croire une carte en main, quoi. Ok. Peut-être qu'il reprend Narset aussi, hein, s'il veut creuser. Ah bah, il reprend Narset. Ouais. Bah, s'il a pas la Wrath en main, il a tout intérêt. Il aura le droit à 3 coups de Narset en plus. Bon, il a la Wrath. On va s'emmerder. Mais nous, on repart. Et ça va être très dur à lui, pour lui de battre ça, pour le coup. Ok. Nous, en plus, on peut faire revenir deux fois Uro. Donc, let's go. Ouais. C'est pas un Et tu fais élémentaire. Ouro Sans et cague. Récif. Hop, tout Non, ça. attends, enlève pas l'agent parce que tu peux reprendre avec ton cavalier. Enlève plutôt les landes en priorité. Ouais. Oui, Comme effectivement, ça. dans ce deck-là, il y a des trucs à reprendre. C'est vrai que moi je jouais ça dans Divmizzet, j'avais aucun moyen de Ah, récupérer du c'était. Ça cimetière. dégage quoi. Ouais, donc c'était vraiment tout dégage et osef quoi. Le récif, ça ne compte pas sur les triggers de Narset. Non, ça a marché du coup. On met Parfait. en jeu, on filtre. Une Krasis là. Une Krasis, c'est pas ses games, mais ça serait très très bien. Pour contourner cette absorption. On va se faire exiler Uro. Ah, on va contourner l'absorption naturellement, je crois. S'il a pas de land, ouais. Agent, qu'est-ce qu'on peut piquer? Piquer ça, faire un coup de Narset, c'est pas fou. Il n'y a que Nissa que tu peux toucher. Ouais, donc c'est pas dingue. Mais en vrai, Par si tu touches contre, Nissa, c'est bien. fais voir ton cimetière. Je crois que on va piquer Elspeth Conquérant. Pour faire revenir encore un agent, par exemple. Ouais, Ou encore une un agent Tassa. ou une Tassa. Encore mieux, Tassa. Vas-y. Ok, pas mal. Tu mets un petit coup de Narset. Et je vais mettre un petit coup dans Narset pour pas qu'il ait une draw Ouais. supplémentaire. Il reprend, ok. Ça c'est dommage. Hein. Il va exiler l'agent. Ça c'est très très dommage. Je déteste l'emprunteur. Ah ouais? Vraiment, c'est pas la puissance de la carte, c'est vraiment la carte, elle m'horripile. C'est une bonne carte. Pourtant, je l'aimais avant, mais maintenant, je la déteste. Parce que là on se la prend plein fer quoi. On va aller mettre un point. Ouais, on va tuer Narset. Et on va piocher Kuro. Mettre. Mais tu vas même Uro et cavalier en fait. Ça me le permet. Ok, je vais proposer d'abord celle qui est récursive. De spirale et Ah, là il y a un choix là. T'as ça, je pense que c'est fini. Hein. ouais vas-y t'as ça T'as ça is out. en vrai il aurait peut-être valu faire cavalier d'abord pour avoir plus de sélection sur l'exil d'Uro Ouais, mais le problème c'est que si jamais il avait un contre, il faut faire qu'il contre Rogue Cavalier. ouais. C'était ça l'idée. Il n'a pas l'air Ça d'avoir l'idée d'autres c'est comme un contres. bob idée ou pas? Non, c'est une mauvaise idée. Ah. Une sale idée. Ah, On ça c'est valide. bien ça. On va mettre C'est un bien. truc engagé et met un petit stop à ton upkeep. Pour Hop, filtrer pour filtrer, ouais. la petite Et on va draw. pouvoir faire ce qu'on vous disait tout à l'heure, du coup, pouvoir filtrer à l'upkeep et avoir quand même du malin pour jouer nos cards. C'est ça. Je pense que si vraiment on doit gagner cette game, c'est Uro qui va carry en fait, tout simplement. Après, il en a combien de ça, en fait? Bah 4. Hein. Mais il a raison. Il en a déjà passé une. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Il gère pas tout là ici, hein. Il reprend 7 quand même le tour d'après, ou 6.
J'aurais plutôt géré cavalier, moi. 6. Étonnamment. Ou même de manière non étonnante, en fait. Parfait. Nickel. Demandez pas plus. La petite Nissa. Phase principale. Oh, il manque un mana. À cause du trigger du truc de merde. C'est bien vu. Bah écoute, 6 points. 6 points, on joue au Ouais. Ou tu gardes pour spirale. Non, non, si on peut jouer au rond, on va jouer au rond, je pense. Par contre, la sélection, c'est fini là. Si tu peux laisser. 1, 2, Ah 3, non, 4, t'as 6 cartes, 5. non. Mais en vrai, on s'en fout, ça n'arrivera jamais. Ouais. Je pense que ce spot-là est trop complexe. Non, mais c'était pas pour le ranimer, c'était pour le reprendre juste avec cavalier. Ouais, mais je pense Mais qu'il va bien juste sûr. nous l'exiler en fait. Il a jamais de gestion clean, tu sais, il a Ouais, il n'y a pas de Banishing Light destruction. ou. Ouais. Ah si, la brasse. Ouais, c'est vrai, il y a Brass. Ouais, mais mettons de la Blah. pression. Mettons de la pression et. Pas mal ça, pas mal du tout. Et là on est bien parce que s'il a pas Vras, bah il est mort en fait. End of turn. On va refaire venir Narset évidemment. Je peux. Bah non, quoi qu'il arrive, je pourrais piocher donc c'est pas trop grave. Non, tu pouvais pas. Il te manquait mana. Il fallait faire en réponse. Ah ouais. Ouais, mais je pensais à Ah, tu Narset en pensais à fait. Narset et pas Mais pas au au trigger de trigger, ouais. spell, toi. C'est pas trop grave en vrai. Encore une fois, il a besoin de Vras et s'il a Vras, c'est l'air que Nissa passe Trouver donc. l'espèce de conquérir la mort. En fait, c'est un deck qui joue blanc-bleu et l'espèce de conquérir la mort. Ah, Vras, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il a le mana du coup pour contrer Nissa. On va lui Mets proposer la le morale. truc à l'upkeep. Tu reprends Ouro là, non? Non, celui qui est au cimetière. Pourquoi je reprendrais Ouro? Je crois pas. Bah, tu peux le rejouer pour piocher une carte. Ouais, non, on reprend Récif. Ou rien même, hein. Si on veut trouver mieux. Ouais, oh ouais, peut-être que tu reprends rien en fait. Mais t'es obligé de cibler. Tu fais refuser. Attends. En tout cas, je sais que là, nos plaies sont un petit peu définies, donc. Par contre, non, on va pas piocher à l'upkeep non plus, hein, parce que notre plaie là, c'est Nissa dans Agent. Ou Agent dans Nissa, Ah bah qu'importe ouais. le compte qu'on veut esquiver, Écoute, quoi. tu peux enlever le stop. Par contre, oublie Ouais. pas de mettre un petit marqueur sur ton ta zone d'effraction. Ça, c'est gratuit. Oh, ça fait réfléchir, hein. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Tu peux pas. C'est 14 mana qu'il te faut. Ding! Bon, laquelle À on cause de donne? ce Telspear conquérir la mort, Bah, bah. on va donner ça en large, je pense. Je préfère large donner ça Ouais, que vas-y, Nissa. donne. Hein. Mais tu sais qu'on n'est pas si mal encore, hein, pour le coup. Non, pas en réponse. Pendant son tour. Ouais, là on va pouvoir mettre le petit truc. Ok, alors là je suis obligé de Là, le il faut faire le faire maintenant, ouais. maintenant. C'est chiant. Ça c'est bien. Double Nissa, c'est bien. 3, 4, on va pouvoir. On peut pas le faire. On peut pas Non, le faire mais fin de tu tour, hein. pourras Ça c'est l'EP bien dommage. ce tour-ci et prochain tour pour 4, tu vas tout casser. Il fait tellement de value, j'ai l'impression qu'on a loupé le créneau là. On n'est plus dans le spot. Ou tu peux juste garder pour casser son Dream Trawler. C'est-à-dire, ça là? Ouais. Et on joue combien? Ça doit en jouer 2 ou 3, mais là on est encore loin pour l'instant. Ouais, mais tu peux engager tout ton mana pour le C'est faire ce assez. qui va se passer, je pense, mais. Oh, Ok. quoi que non, je pense qu'on va juste péter les deux Planeswalkers et faire Ouais. full value. Hein. Je crois que là on est dans un plan de jeu où Dream Trawler est encore loin, tu vois. Dream Trollé. Il est Dream Trawler. Ça lui a gagné 3 PF, ça c'est aussi insupportable. Allez, viens là. Tu peux, ouais. Alors, Miami Fornia, qu'est-ce que tu nous proposes là? C'est la Californie et Miami. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Ouais. On a jeté trois cartes. Là, je crois que tu n'utilises pas le scry. Hein. Tu vas Ouais, essayer de 5, proposer 6, 8, 9, double 10, Nissa. 11, 12, 13. Tu veux Ouais. surtout qu'il y en ait une qui passe. Exa. Enfin, que la première passe même. Pas mal ça. Alors, on pourra faire Nissa Cavalier peut-être. Ah, alors, ça engage toutes ses forêts. Ah, ça a bien payé, hein. Pas du tout.
Là, on gage bien. Ouais, en vrai, ça n'a pas changé grand-chose parce que ça aurait juste laissé une forêt à la place de ça. Non, tu pouvais payer avec tes îles et ta zone d'inflagration. Alors, quand on sait que ça a payé super mal comme ça, c'est fou. Ça garde l'élan d'utilitaire. Là encore, ça te paye Oh, mal. mais c'est dégueulasse, quoi. Mais là, c'est bon. Non, il te faut 2 manas vert. Tu peux pas. Alors, Encore un contre ou pas? bah A-t-il tout? il pourrait, hein. Franchement, il est Partout ta setup deal. là. Je pense qu'il a tout, ouais. Bon, allez, on peut concéder là. On est encore à 41 PV, on a cavalier. Un truc, c'est que Dreamtrawler, on pourra le gérer une fois, on gérera pas les autres. Non, c'est sûr. Après, si tu fais une grosse Krasis, on a combien de cartes? On n'a plus qu'une Krasis. Je vais quand même nous donner le droit de voir ce qu'on pioche sur le retour, sur le comeback. Hop là. Parce qu'en vrai de vrai, s'il a pas beaucoup de Dreamtrawler et surtout s'il les trouve pas, bah son deck tue pas. Ouais. Donc, il y a encore un bail quoi. Nous, on a encore un cimetière rempli pour cavalier. C'est là où le summum est pas mal, tu vois. Tu dis je le pioche, je le tue. Mais je pense que c'est la version définitive, malheureusement. Mais nous, on voulait s'amuser. On voulait On piquer des trucs, voulait etc. piquer des Mais trucs, les gens mais nous laissent pas. on va juste tuer des. Ouais, je pense que ça, par contre, ça va vraiment mettre fin à notre vie. Bah il va bloquer si jamais un jour t'arrives à mettre un truc qui peut Ouais. attaquer. Allez, la pioche, je filtre même pas. Super, allez, ça On s'en concède. fout. Pourtant, On va c'est une des passer à meilleures deux. cartes qu'on pouvait piocher. Ouais, Elle mais était là, full top. c'est trop tard. Avec ce qu'il a encore en main, il va pouvoir brasser tous ses. Ah, oh, c'est un enfer. C'est la fin. Hop, je m'étire. J'espère que vous avez vu mon carapuce. Hein. Il est beau. Est-ce qu'on est capable de faire full défaite avec ce simicrampe? Oui. Hop Bah, là. on s'y dirige, non? Regardez comment on fait. Ah, par contre, ouais, effectivement, les Ceratops, il va pas kiffer, mais pas du tout. Hein. Enfin, agent traîtrise, j'ai l'impression que Je crois que tu vas virer Agent ça Traîtrise et t'as prenait ça en tête. rien, quoi. Oh, je voudrais 4 Krasis dans ce MU. Ouais. L'épaisseur. L'épaisseur, ça dégage. Et tu vas virer quoi? Bah encore les Un cavaliers, je euro? crois. Ouais, ou 1 €. Ah, bah, quoi qu'on va en Franchement, on trouver. en avait T'en trop. fous, tu veux pas des multiples. Ok. Il On est bon là. y a même bête frappée d'un mot, tu Ouais, je vois. réfléchissais, mais bon. Il y a un moment, ça met 2-3 presses, quoi. Mais Là, t'as tout rentré c'est déjà. trop la place, ouais. Bon, lui, là, on va le saucer, là. Comme Comme ça, ça, là. bam! Parce que ce qui est bien, c'est qu'après side, tu peux vraiment l'out tempo, mais très très fort. Normalement, ouais. Mais même en général, Simic bat plutôt bien contrôle. Hein. Là, on a un petit peu joué de Ouais. malchance. Ça On dégage fait ça. Krasis. Tour 4, on fait une Krasis qui pioche 2. Enfin, qui est 4-4. Ah, c'est pas mal alors. Je pense que ça peut valoir le coup. Elle se prendra contre, mais c'est pas grave. Ouais, mais on aura pioché 2. Et il va pas utiliser ses contres là-dessus. Et il a pas d'anti-bête ciblé. Donc. Ouais. Quoi? Pourquoi je suis en phase principale? Parce que t'avais mis un marqueur peut-être. Tantôt. Tantôt, et du coup, il est resté dans la base de données. Oh, bah, c'est parfait C'est ça. bien ça. Quand il y a tout qui monte. Je vais t'enlever ça, j'ai l'impression que ça te gêne un peu là. Oh, ça J'ai l'impression que ça te gêne Ali. On se blague. J'ai pas la ref. C'est une chanteuse. Ouais, je crois qu'on va faire Nissa Krasis. S'il est pas absorb up. Espérons qu'il veuille jouer une Narset ou un Teferi du coup. Non, une Narset non. Ah si si, pourquoi pas. Il peut, Bon bah donc on là va juste c'est juste Ouro. Ouro. Hein. Ouais mais c'est bien hein, Ouais. d'avoir le choix, tu vois, de tourner autour de ses contres. Parce que des fois t'as pas le choix de tourner autour. Petit tricks. Quand vous faites ça, en réponse au sacrifice, vous pouvez engager vos druides sans feuille pour faire plus de mana. Au moment où il est Si sorti en jamais vous bataille, avez ouais. 4 bêtes, ouais. Ouais. Fin de tour. Bah non, on peut faire Comme Serathos, ça, il pas fait mal. Landvras. Eh ouais, mais s'il fait Landvras, moi j'ai Nissa Krasis derrière. Ah! Je crois que Vas-y. j'accepte Landvras. Vas-y, tente. Je peux pas contrer de toute façon. Il avait vraiment envie de contrer d'ailleurs, Oh, on j'avais pas l'a vu senti. l'animation, très jolie. Je prends Lavras ici pour développer la Pas de Nissa derrière. problème. En plus, on pioche une carte, monsieur. Ouais. Ouais, on est très très bien ici. Forêt. Et ça paye mal. Mais tu vas rien faire derrière, si? Ouais, mais c'est juste histoire d'eux. Lui, il ne sait pas qu'on fait rien, qu'on fait pas rien. Oui, c'est vrai. Bah, il va lourd. Il va le voir, effectivement. 3 points, go. Et là, on est dans un spot très très avantageux. Où, Celui où il va faire Land Esper conquérir la mort. mais c'est pas grave parce que nous derrière on a Krasis. Ouais. Donc on continue à lui proposer des plays qui sont impactants et chiants pour lui quoi. Et menaçant. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre On met 3 points. 3 et on Krasis à 7, hein. Enfin à 5. Ouais.
En fait, c'est comme ça que tu bats contrôle, quoi. En lui C'est une proposant à menace tous les chaque fois, tours. voilà, une menace. Et lui, il gère la menace du tour précédent, en C'est fait. ça. Donc, Et là, même s'il gère ça, bah, il y a Ceratops qui arrive et on s'il fait des rase trucs, prend quoi. Ceratops, etc. Ouais, il n'y a pas Je crois qu'il cette. va tuer Ceratops célérité, non? Pour gagner. Alors, s'il n'a Pour pas essayer. d'anti-bête, on a gagné. Par contre, on peut juste tourner autour de Vras et ne pas se commit, mettre les points avec ça et quand il aura géré, finir avec Ceratops. Ok, vas-y, tente de mettre les points. Je Et réfléchis. tu Attends. feras cavalier d'épines. Sa decklist, il y a quoi en instantané qui gère une carte? Emprunteur intrépide. Bon, bah alors dans ce cas, effectivement, faut pas le faire. Il faut aller tout droit. Il doit rentrer après ça, il doit aussi des interactions en éphémère. Que j'ai pas là. Cavalier tranquille. On a quoi à reprendre? Ceratops, donc c'est ok. Quoique, c'est juste lui donner 3 points de vie sur un absorbe. Il y a des bas. Il y a des Tu hauts, il y a peux des faire bas. fin de tour, Je crois qu'on peut juste faire même fin tu de peux tour. druide sans feuille. Oui. Et t'auras quand même spirale de Ouais, je croissance. pense que c'est mieux. Il y a effectivement un sort. Ça peut être juste une augure. Ouais, mais. Prends pas trop de risques. En fait, en jouant safe, on devrait gagner cette game naturellement. Là, il est à Ouais. 4. S'il se commit pour gérer, bah, il est mort sur. Sur Sur Ceratops. Ceratops, donc on va essayer de lui vraiment de le tuer, tu vois. Essayons. Voilà, genre le serpent, tu lui coupes la tête, il bouge encore, ben coupe le corps en fait. Tu coupes la queue du serpent. Voilà, tout. C'est-à-dire tout. Tu te rends compte que si tu coupes la tête ou la queue du serpent, tu coupes au même endroit? Ah ben non. Ah oui, tu peux. Ah il l'avait, hein. Il Ah, le l'avait, gros. mais c'est pour lui c'est l'enfer de faire ce play. Ouais. Hein. Comme disait un de mes profs de BTS, oh, il connaît. Qui c'est qui te disait ça? Un prof Monsieur. de Ah ouais? BTS. Incroyable. T'as fait un BTS, toi? J'ai été en BTS, ouais. Ah Je l'ai ouais? pas fait, mais Ah j'y ai été. d'accord. Histoire incroyable de ma visite en BTS. Je suis passé, quoi. On a gagné, C'est je gagné, je crois. crois. Ceratops, célérité. Ceratopussu. Dispute si jamais l'interaction est bleue. De toute façon, interaction bleue, ça touchera pas Ceratops. Faut qu'elle soit blanche. Ouais. Enfin, Voilà, tu prends merci. quand même Rafale des Terres là. Mais en Ah fait, oui, sur. il paye la dispute, donc non, ça marchait pas, mais. Non, mais il fallait strictement Rafale des Terres. Ouais, on était bien. On était bien dans ce spot. Enlève tous les contres. Ça dégage. Et je mets juste full On met pression, tu sais. que des bêtes. Il y a un plan de jeu, hein. Ah, bon, en vrai, on est censé avoir un très bon match-up, donc je serais très déçu de perdre contre lui. Enfin, très bon, dans la mesure du. Dans la mesure du respectable, de la respectabilité de notre À la adversaire. mesure du respecton. Exactement. Hop là. Parfait. Bien, C'est parfait. bien. C'est parfait. Par contre, là, on jouera le druide tour 2. On veut ce commit. Bah pourquoi? Pourquoi on jouerait le druide tour 2? Bah, vu qu'on a dispute, on va pas le faire. Ou alors, on le joue tour 2 pour pouvoir faire récif tour 3 avec dispute up. Qu'en dis-tu, Minus? Qu'il faut conquérir le monde? Alors attends. Si on fait druide ici, lui il passe Teferi, Narset, qui sont ses plays forts. Donc c'est chiant. Et il va peut-être juste rester absorbé Et aussi. nous, le tour d'après, on peut juste faire druidesse, druide sans feuille, avoir dispute up et développer Nissa quand même. Je pense qu'il faut juste passer, Ok, hein. ça me va alors. Passons juste. Passe au double. Oh là pas Ah bon, bah le bon, land. par contre, s'il est naze. Trop vénère, Oh, tu sais. tension, ça paye vraiment avec les fesses. Avec le cucu. C'est ambitieux ou pas? C'est ambitieux là ce que tu fais là. C'est ambitieux, mais ça Ah. passe Nissa le tour d'après. Parce que lui, s'il Ça trouve passe son Nissa, mana. mais s'il trouve mana, il fait juste contre ou Dovin's Veto, non. Je Ben, pense mais s'il que. fait contre et qu'il trouve mana, on a un doublon de Nissa, nous. Eh ouais, mais il va détaper et piocher une carte. Non, je pense qu'il faut juste le dire. Ok. Ok, ça dégage en dessous. C'est sûr? Je pense qu'il faut faire ça. Je peux me tromper. Ouais, il est en death de mana, là on est sûr de passer Nissa dans un ou Ouais, deux mais il a tours quoi. 2000 trucs qui touchent Nissa. Il a Rafale des Terres, Dispute Mystique, Botte Dédaigneuse s'il en joue, Dovin's Veto qui jouait Main Deck, et Absorption s'il trouve un land. Ouais, mais il faut qu'il trouve son land quoi. L'a pas trouvé. Ok. Paye 2 points de vie, récif, avec la dispute. Non, toujours pas. Le mec demande, tu sais. Ça commence à être. On commence à réfléchir, tu vois. Parce que s'il fait rien, on s'en fout de dispute, tu vois.
que là, le tour d'après, on va proposer Nissa. Vas-y, dispute. En fait, on va proposer Nissa le tour d'après, on n'aura pas dispute up, donc oh, autant la valider maintenant, quoi. Contre récif, hein. Je compte mon propre récif, non. Évidemment. C'est moi qui dis non. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi qui démissionne, c'est moi qui te vire. Exactement ça. Allez. Ah, on trouvait un land pour faire Nissa avec dispute. Bah, mais non, donc mais. Il fallait pas contrer. Mais non. On trouvait un land parce qu'on a réussi à résoudre ce récif. Ouais. Je suis là. Je suis dans la game. Ah, il peut pas absorbe, c'est une bonne nouvelle. Ah, il peut deviner ce veto. Mais je m'en cague. En fait, il y a juste une interaction qui peut pas sur les 4 possibles. S'il trouve pas de land, c'est forcément voilà, qu'il a tout. Un point go. Il peut avoir aussi que des Dream Trawler, des Elspeth Conquiert la Mort et. Oui. Et machin, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais du coup, pourquoi il a gardé sa main, tu vois? Parce que je sais pas, ouais, j'en sais rien. Nissa. Bon, il y a un moment là, si par contre il a contre encore, c'est dur, quoi. Mm. Et juste, on l'aurait pas battu. Ah, c'est abusé. Il y a tout, hein. Non, 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 pas tant, 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 tant. C'est Forêt Druide. Oui, c'est vrai, putain, on a un trigger sur récif, quoi. Ça va, c'est pas grave. Ouais, franchement, là, il a des cartes en main, il gère tout. Ah, voilà, il y a ça aussi. Ouais, mais on l'aurait pioché au pire, tu vois. Genre, j'aurais fait temple, c'est pas grave. Mais non, c'était mais juste mieux, c'est vrai. Si on fait bon play. Attends, malheureux, tu vas mourir. Ceratops. Non, c'est mais là. Le match-up est pas non plus simple, tu vois. Donc, si on peut optimiser. Si on peut essayer de le gagner, ce serait pas mal. Ça m'arrange. Allez, oh, mets-lui tout, là. Je lui donne célérité, ouais, portée facilement. Mets-lui toutes les. Toutes les capas. 6 points. Allez. Là, faut qu'il trouve un land et un blanc. Temple, go. On est bien là. Oh, une petite crasis pour gagner? Non, ça dégage. Ben ouais. Pourquoi on trouve pas nos payoffs, nous? On en a plus. Et tu vois, là, on se dit que 27 landes, ça suffit, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ouais, effectivement. Ah, ça gère bien, Ceratops. Ouais, ouais. C'est fou qu'il arrive à tout avoir sur le dessus. Ça peut pas se rendre exproof, ça, par hasard. Non, il n'y avait pas. Parfait, ça. Une très bonne draw. Est-ce qu'on a assez de trucs au cimetière pour le rejouer? On va voir. M'emmerde un peu. Et non. Ah, pile pas assez. Ah non, il manque 2 cartes. Donc vraiment pas assez. Je crois, c'est un constat qui m'attriste, mais c'est 4 Krasis pour battre ce deck, hein, vraiment. Ouais. Ça aide beaucoup. Hein. En fait, il va même gérer récif. Nous, on a un deck formidable qui voulait interagir avec les decks midrange, ou les autres decks rampes, mais contre contrôle, on y perd un petit peu, quoi. Et putain, les landes. Après, là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas fini, fini. Hein. Là, il a rien à réanimer. Nous, on va pas jouer de spell. Ça va. Encore trouver des trucs fumax, quoi. Ça, on s'en cague de ouf. Pourquoi il nous dit clairement joue tes cartes? Ça m'en fout. C'est vrai que ça le flash. C'est un peu cher comme contre. 4, 5. Oui, c'est vrai. Et pour 3, si jamais pour il 3, s'inspelle si bleu. Jamais s'inspelle bleu. C'est pas très bien, quoi. Non. Il trouve pas son mana quand même. Hein. Narset qui va rejouer. Ah non, il la joue pas. Bon bah, Euro. Tu crois qu'il y a combien de contre en main à part 2000? Franchement, j'ai aucune idée de quelle est sa main là. J'ai oublié cette animation. Ah, du coup, on n'aurait pas de nom, ça servait à rien. Ça sert à remplir notre cimetière pour jouer Euro, gros. Donc ça oui, sert. C'est vrai qu'il va au cimetière. Ça sert juste pour ça. Je prends. Il va mettre sa zone à 4, comme ça, quand on joue Euro, il aura juste à péter un land. Ouais, nickel. Après gros, il se pète un land à 5 mana, c'est pas bingo. Hein. Moi, non. Franchement, il me pète Uro avec la zone, je suis chaud. Je prends. Bah écoute, je suis chaud, c'est le gendarme de Louis de Funès. Ouais, exactement. Et non, c'est Cruchot. Cruchot. Incroyable. Cruchot. Tu sais quoi, on aurait dû. Et ouais, hein. Bah ouais. Ça passe. On aurait dû regarder un film des gendarmes plutôt que de jouer. Ça se passe tellement mieux. Mal avec ce deck, quoi. Mais je te dis, on a voulu jouer des interactions Tassa, Agent Traîtrise, ouais. Et il y a plein de match-up où. Bah, alors que juste Summum, je mets 20, j'ai gagné, quoi. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, Aggro et Contrôle, bah, ils s'en foutent de ces interactions-là, quoi. Si tu veux, tu peux Mystique comme ça, il doit payer 3. Ouais, du coup, il nous contre pas si on peut un avec contre. Un truc fort. Ouais, il peut juste payer 3.
Ah, mais du coup, nous derrière, Du on coup. passe le summum, Oh hein. bah Eh ben non. Ah, ça a été contré? Ouais. What? Bah tant mieux, écoute. Il voulait rester up. Before you go. Bah Eh ouais, bah tout écoute, hein, dégage, hein. ça, tout s'en va. Pring, 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 pring. Je fais des grimaces. C'est notre Celestia Adventure de Theros. Ce simic-là. Tu sais ce Oui. qui se passe? Je sais que la vidéo est longue, c'est pas grave. On tranchera dans le lard. On va prendre la version rampe là et on en fait une dernière. Oui. Genre vraiment, je veux cochonner quelqu'un, On tu fait vois. une deck-deck et on joue un autre deck. J'ai envie, juste on va ouvrir, on va faire trois clics. Ouais. Et ça va comme ça. Parce que là, ça Attends, commence mais à me vu qu'on sait bander. qu'on va faire ça, gagnons Ouais. du temps. Parce que là, ça commence à me bander là. C'est vraiment très très casse-couille. Voilà, pour bien utiliser les mots en fait. Regardez la transition. Ne faites pas attention à ce rang qui dégringole, mais vraiment Comme le caracou. de manière énervée. Hein. Ça, si je m'attendais à dégringoler autant avec Simic. Allez, je suis au clavier. Tiens, regarde, je te montre. Hein. Tu regardes? Ouais. Hop là. Voilà. Droite en feuille aussi, ça dégage. Oui, c'est vrai. Hop là, vas-y. Non, Druides. parce que nous, on voulait se marrer, tu vois. Havre. Summon. Oh, Sommu. C'est cochon. Ah merde, c'est terrassement. Terrasse. Alors, il y a Grazer, on en joue 2. ouais, Ah, ça joue 3 héros. y a un truc en trop. T'es sûr? Je crois que ça joue pas de druides en fait. Ah bon? Ouais. Attends, on vérifie. Tiens, regarde donc. Je crois que ça joue pas les druides. Je crois que ça joue pas de druides, que ça joue 28 landes. Merde, y était. Je regarde hein, tout de suite, Oh, là, vas-y, cette vidéo vas-y. est incroyable. Et gros, elle va le devenir. Hein. Il est où? Tu Ah vas voir mais... la sortie qu'on va faire. Ah c'est pas la dernière version à jour, c'est celle qui date d'il y a quelques jours. On va l'envoyer sur Mars. Voilà. Il jouait 4 euros, il jouait pas de druides. Ah il jouait 2 Tamio. Pas de Ah, druides et 2 bah Tamio. parfait, c'est les deux cartes qui nous manquaient. Tami. Et t'as enlevé les druides. Ok, bah super. Là. Après, ça c'est pas la dernière version, c'est la version d'il y a une semaine. Oui, Donc mais je sais pas s'il a touché entre-temps. non, non, non. Bah sinon Non, c'est bon, c'est il aurait LM Ramp. tweeté. C'est les lampes? Ouais, c'est juste qu'il n'y a plus à ça, mais Putain, elle est ça, en j'adore. photo. Est-ce que du coup, c'est une meilleure version? Réponse. Je pense que contre contrôle et contre rampe, c'en est une. Contre les midranges qui n'existent pas, c'en est une moins bonne. T'aurais dû copier pour mettre la decklist en description. La première? Ouais. Bah non, on s'en cague. On s'en cague. Bon, on s'en cague. Regarde ça. Ouais. Jouer ça, là, c'est bien. Ça a l'air mieux tout de suite, tu vois. Ouais. Écoute, on va Si. voir, on va voir. Ça a l'air mieux. Ouais, ça a l'air. Ah, contre ces couleurs, c'est pas mieux. Je sais pas. On verra. Non. Ouais, et en même temps. Non, mais non, t'as Bah raison. là, tu fais tour 2, une tour 3, une tour 4. C'est vrai. Oh, sans vapeur. Ah, il est lent. Il est lent, Forêt. il est lent le sans vapeur. Havre sur forêt. Ou sur montagne. Je suis pas sûr qu'il soit si lent. Hein. C'est une 1-1 qui n'attaque pas autour 2. J'ai connu plus un tu vois, il met un point. Ouais, ça, il est mignon quoi. Fort. Faut faire attention quand même parce qu'on gère pas ce qu'il fait. Hein. Va falloir aller très très vite de notre côté. Tranquille, va. Prends le temps. Faites-le bien chier. Prenez bien le temps. Ah, tu peux pas Tamio? Bah, Tamio, elle meurt là. Faut pas En faisant accepter plus un. Tamio. Hein. Sinon, Ok. tu peux Krasis, hein. Non, mais Pas j'aime trop bien le tard. fait d'éponger 6 points. J'aime bien. Et on va chercher Nissa. Ouais. C'est bon, elle est là. Putain, le mec, il la trouve, quoi. Crazies. Top deck crazies. Crazy is good. Crazies life. Et ouais, on Ouh, essaye de pas jouer il va... Crasis, mais à un moment on est rattrapé, les gars. Il va la chercher, hein. On est rattrapé par la méchanceté des gens, tu vois. Ouf! Ouh! Bah c'est 6 points. Ouais, c'est 6 points, Et mais moi je te dis que c'est cavalier, le gros. cavalier, il va être bien content, là. Voilà, c'est cavalier. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Iten? Il va faire R, Qu'est-ce que tu je vas te dis. faire? Après, c'est double Crasis, gros. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu en fait là. Si je fais le Bezaba Non, du il peut Machup. toujours Embercleave pour nous mettre vraiment mal. Ah, il va la Bon, il est chercher. Hein. fatigué.
Il y va en tout cas. Hein. Ah, il n'y a que des montagnes. Il y va. Ce deck mono rouge, il a un problème, il trouve que des montagnes. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. Ouais, mais aussi, t'en joues 28, gros. Et je rampe, quoi. Mais moi, je rampe pas. Je rampe comme ça, vous voyez. Bon, déjà, supériorité totale du deck. Ouais, résultat orienté de fou. Si. Oui, c'est vrai. Infiniment meilleur. Side pas. Ça sert à rien. Tamio, ça dégage, même ouais. Si c'était la MVP. Agent traîtrise, ça dégage. Et je crois que tu enlèves aussi deux summums et un sanglier, non? Le but c'est de survivre, c'est pas de. Tu peux tuer. Eh, je crois. Hein. Franchement, ton sanglier, tu vas bien le regarder comme ça, tu vois. Il est là. Regarde. Tu prends cette carte, là, tu fais comme ça, avec le sanglier. À toi. J'avoue. Eh ben. Enlève-moi un havre de sol loup, j'aime pas cette carte. Ouais. Elle est dégueulasse. Bah, j'aimais cette carte. Et je l'aime moins maintenant. Le fait que ce soit ça, le meilleur simic, ça me dégoûte. Voilà, sachez-le. Non, parce que t'as ça quand c'est sorti. Oh, c'est trop fort, ça passe à 20 balles et tout. Bah les couilles. Non, bah les couilles maintenant. Nous, on joue des rampes, des Krasis et des Nissa. Terros, prout. Prout le cul. Mulligan. Terros comme ça. Garde. Garde pas ça, gros. Garde. Bah, celle-là, elle est incroyable, par contre. Enlève une forêt. Et une spirale. Et une spirale? Ouais. T'es sûr? Ouais. Pourquoi pas un arbre? Ouais, comme ça on a 4 mana. Je sais pas, arbitrairement. Ouais, ouais, arbitrairement, ouais. Arbitre? Ouais, voilà pourquoi. Bouh! Garde ça. Je deviens dingue. Ah ouais, je comprends. Sachez en tout cas qu'on enregistre cette vidéo, il est 14h30 actuellement. Et on a faim. Et on a faim, on n'a pas encore on mangé. On a très très faim. Ah, oh, je m'en cague, pourquoi je réfléchis? Putain, on joue le meilleur deck là donc. Oh là là, c'est simple, le meilleur deck, il n'y a pas Terros. Voilà. Si ton deck ne contient aucune carte de Terros, c'est le meilleur deck. Du pâté rose, c'est du pâté de campagne qui serait rose. C'est du pâté rose. Comme ça que les petits appellent le pâté, en fait. La mousse de canard. Est-ce qu'il y a plus repoussant en nom et en visu que le pâté en croûte? Non, le nom est horrible. Le pâté en croûte, croûte et pâté. Pourtant, c'est bon. Mais ouais, le ouais. Pâté en croûte... Oh, pouloulou quoi. Donnez-nous des landes, bordel à cul. Voilà, comme ça tu piocheras pas avec ton voleur. J'ai la main vide. Voilà, je fais un doigt. Trop vénère quoi. Ouais, ouais, la finaude. Ouais, ouais, le champion. Allez, ça c'est bloqué. On bloque les 5 points là, incoming. En vrai, t'aurais pu trade même la finaude. Fallait la trade alors ? Non, non. Il peut Umberclear là ? Non, il peut pas. Il peut pas, non. Si je sais compter, il peut pas. Ah, il est fatigué. Oh. Ouais, mais on va jouer une troisième game. Je préfère te l'annoncer. Ouais. Tu fais Nissa, tu détapes ton havre, tu fais battre frapper d'amour. Enfin, tu mets 3 points d'amour. Ça va bien bloquer, ça. Ça va bloquer. S'il n'y a pas en Murky, franchement, on est bien. C'est vrai. Bon, après là, il est sur un plan de jeu simple, j'ai l'impression. Ouais. Ça, il va même pas dans Nissa, quoi. L'irrespect de l'homme. Il s'en bat les couilles. J'adore. Et ouais, Rolin imbloquable. Eh ben, il a la petite Umbercleave. Hein. Bah, on accepte de mourir. Oui. Non, on meurt pas là, hein, sur Umbercleave. Eh si, 14 kills. Si, on meurt. Si, on meurt bien même. Hein. Ouais, on meurt bien. Ok. Sur quoi l'équipe? Ah, mais gros, je voulais qu'il nous tue pas. Enfin, je voulais qu'on concède avant. Ouais. Ah non, mais il était plus qu'à 14 qu'il a la dévotion. Il nous mettait beaucoup plus. Il mettait 2000. Écoute, là, on va le sauce, quoi. On précise encore une fois que c'est le pire match-up de Simic, là. Hein, le pire. Le pire. Tu peux pas prendre pire que Monored. C'est-à-dire que nous, on commence à jouer les trucs au tour 5. Lui, au tour 1, il nous a déjà mis à 19. Ah, je suis chaud, on va le défoncer, là. Ah ouais. Putain, et si c'est pas lui, ce sera le mec d'après. Hein. Je te dis, on mange pas ce midi. J'ai faim. On ne mange pas, gros. Et j'aurais faim. J'aurais quand même faim. Moi aussi, j'ai une salade de pommes de terre qui m'attend. Moi j'ai des petites nouilles avec de l'huile d'olive, goût citron, persil. C'est dingue. C'est dingue ça par contre. On y gagne, je peux pas. Parfait. C'est une blague? Elle est parfaite cette main gros. Château et forêt. Ouais. Oui, ça va le faire. Ah bah il y a 28 landes, c'est normal. On demande des terrains nous. Regarde, il fait rien. Il fait R quoi. Tranquille. Alors, ne réfléchis pas. Voilà.
Ça m'énerve. C'est en train de m'énerver là le truc. Non, bah regarde, là on va le défoncer. Hein. Allez, ça dégage. Ouais. Dégage, gain de temps. Ouais. Gain de temps. N'annule pas. Oui, oui, c'est bien sans vapeur que je veux. J'annule. Merde. Oh yes, heal. Qu'est-ce qui se passe là? On va essayer de nous péter les couilles. Ok. Ah, Spider-U. Ça j'aime bien. Oh, j'allais dire qu'il trouve Ouro en plus. C'est beau ça. Ah, on s'en bat les couilles, il y a du land. J'aime bien, t'as une espèce de réflexion, alors que vraiment, il y a rien à non, faire. Non, mais je comptais combien on avait le droit de poser de land ce tour-ci. Et oui, on peut en poser 3. Ah ouais. Voilà. Non, mais je voulais être sûr. Tu trouves un autre Ouro. Je voulais être sûr. Gain de temps total. Bon, bah, la première crasis qui passe, c'est GG. Hein. Temps total, 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 temps. Allez, ne fais rien, Iten. Je pense que t'as envie de perdre cette game. Des fois, il y a des games que t'as envie de perdre comme ça. Genre, ça se dirait que tu joues, tu dis, ah, j'aimerais bien la perdre celle-là. Moi, j'ai plutôt envie de gagner et ouais, j'arrive pas forcément. Ok. Et du coup, il va jouer ça et on est mort. Bon, il est pas mort, mais. T'es pas bien, quoi. Il est pas content. Ah, ça bloque bien. Par contre. Est-ce qu'on a meulé un truc bien? Bah non, évidemment. Par contre, on pourra jouer ou pas? Ah bah si, on a meulé deux Krasis. Parfait. Ah, ça, c'est 3 points imbloquables. C'est pas trop grave, si ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Vas-y, bloque. Tu dis ouais, je bloque quand même. Ouais, tu peux pas. 3 points, bah, Euro, là. Euro, hein. Euro dans Euro. Ouais. Ah, oh, j'aime bien ça. Alors, laisse une Krasis juste. Ouais. J'en laisse juste une, mais ça sera la bonne. Gagne 3 PV, il est quand même dans une situation délicate. Demeurant et en demeuré. En fait, qu'est-ce qu'on se faisait chier à jouer des plays de transition, des LM et tout? Non, de la rendre des payoff aux F. On bat les couilles du reste, quoi. Ah merde, fallait jouer au gros d'abord. Pour faire quoi? Bah non, je peux garder ah celui-là. Ah oui, tu peux garder celui-là. Heureusement. Ouais. Heureusement. Heureusement. Oh, j'ai cru que t'étais trompé. T'as fait un non. Non. On remonte à 17. Pepozi. On va pas attaquer quand même. Faut pas trop jouer avec le feu. Hein. Non. Là, Umbercliff nous met quand même vraiment mal en vrai. On prend 8. C'est pas mal. Hein. Ah, pas Umbercliff. Pas Umbercliff. Yes. Par contre, on a pas Summum pour, bah, pour tuer. Ah, on a pu. On a pu Summum. Il va falloir quand même bien. On aurait dû en laisser un et un cochon. Non, c'était mauvais play. Ouais, je pense que c'est pas très bien. Déjà que sans les mauvaises cartes, on a des mauvaises mains. Alors avec des mauvaises cartes, on a des plus mauvaises mains. Bon merde, là, il va falloir le gérer. Comment on gère Torbran dans le deck? L'air pas, je crois. Voilà, comme ça. Bon bah écoute. En fait, il te met 3 par tour et lui il va prendre 6 et on regagne 3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon rang. De toute façon, j'avais faim, de toute façon. Eh ben moi aussi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le meilleur deck Simicramp dans cette version là, dans l'autre version, oublié. Oublié. Bah, c'est bien si vous voulez vous amuser, tester. Coupe. Stop. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et du coup, on repart en deck tech. Pas du tout. On fait la vidéo à l'envers. Non. Du coup, ça c'est mieux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Tellement déçu que ça soit mieux. Moi aussi. Vous mettez dans la description. Vous regardez dans la description, il y a nos réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a les serveurs Discord, il y a notre chaîne Twitch, Valpé, la Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Un peu, je sais pas, générique.